Le monde d'après, au cœur des micro-forêts urbaines, des forêts pour lutter contre la pollution et rafraîchir les villes. En voici une, le long de la Rocade à Toulouse. Elle a été plantée juste avant le confinement, en mars dernier. Les micro-forêts urbaines, solution pour des villes moins polluées. On en parle avec le collectif toulousain qui porte le projet. Mais d'abord, présentation du concept. La dernière racine est là, le col est là. Donc la terre, il faut qu'il vienne à peu près là. Une forêt urbaine, en voici une, plantée il y a quelques mois à Pau, 750 arbres d'une trentaine de variétés. Je plante des arbres pour la biodiversité aussi. Ben c'est cool parce qu'après, on aura plus d'oxygène. La forêt urbaine, c'est un piège à carbone pour réduire la pollution dans un secteur très fréquenté de la ville, près d'un carrefour ou le long d'une route très passante. À Toulouse, 1200 arbres ont été plantés au printemps dernier dans le quartier de Rangueil. Nathalie Penella, membre du collectif à l'origine de cette micro-forêt urbaine à Toulouse. Comment est-ce que ce site a été choisi ? Alors à l'origine, on avait cherché un terrain qui soit proche de voies de circulation, proche d'écoles également, pour que ça ait un sens au niveau de la végétalisation, de la lutte contre la pollution, pour également d'un point de vue visuel aussi, que c'est une esthétique. Finalement, le choix s'est porté sur ce terrain-là. Donc on a accepté parce que comme vous pouvez voir, il y a le périphérique qui passe à proximité, il y a pas mal de promeneurs, de gens qui se promènent le long du canal, qui courent. On continue dans un instant de découvrir ce lieu, mais arrêtons-nous une minute sur la méthode. C'est la méthode japonaise Miyawaki, qui consiste à planter un mélange d'arbres de façon dense et aléatoire. 3 ans après la plantation, la sélection naturelle aura fait son œuvre et en 15 à 20 ans, une forêt dense va pousser. Pas besoin d'attendre des générations. Katia Verline, membre du collectif, elle défend des micro-forêts comestibles. On se pose quand même beaucoup la question aussi de la résilience alimentaire des grandes villes. Et on voit quand il y a une crise comme le corona, s'il y a une rupture d'approvisionnement alimentaire, ça pose quelque peu de problèmes. Donc nous, ce qu'on rêverait, c'est que toute la ville, les plantations, soient des plantations comestibles, des arbres fruitiers, beaucoup, des noyers, des potagers partout, collaboratifs ou individuels, enfin toutes sortes d'éléments différents. Alors on comprend bien l'intérêt de planter des arbres en ville, mais vous allez voir qu'il y a d'autres idées. Pour rafraîchir nos villes, il y a donc les micro-forêts urbaines, mais aussi les îlots de fraîcheur, installés sur les grandes avenues, là où il fait très chaud. Des réservoirs d'eau de pluie sous la chaussée, un système d'irrigation et de la végétation en surface. Voilà pour la recette pour obtenir quelques degrés en moins. Ces îlots de fraîcheur font de plus en plus souvent partie du cahier des charges des urbanistes pour créer des poumons verts en ville. Autre solution pour rafraîchir les villes d'Occitanie, des façades végétalisées. C'est une opération qui s'appelle les fleurs sur mon mur. Donc on peut, en façade de sa maison, demander une analyse. Est-ce qu'on peut creuser, faire un trou dans le béton pour faire grimper des végétaux le long du mur? Katia, merci beaucoup. Nous allons maintenant surveiller la pousse de vos micro-forêts urbaines qui vont rafraîchir les métropoles de demain. Et c'est essentiel, sachant qu'en France, près de 75% de la population réside en zone urbaine.